Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Bleach Bresouls. Et oui, bien évidemment, pour la loterie Pinnacle, The Blood Warfare, évidemment, guerre sanglante. Avec, donc évidemment, je tire parce qu'il y a des trucs gratuits, etc. Et bon, étant donné que, bon, on est un peu joueur, étant donné qu'on est un peu joueur parce qu'en fait, j'ai tous les persos de la bannière. On va faire un petit palier 5 et ensuite on va sortir on va sortir de ce piège évidemment parce que je pense qu'on va être extrêmement déçus parce que c'est uniquement pour avoir un doublon en plus que ça m'intéresserait en réalité. Donc là je suis très certain de faire une énorme bêtise. Et c'est uniquement avec le bail de la loterie du tirage gratuit. Donc voilà. Donc ne faites pas ça chez vous. Hein. Donc bien sûr, j'ai tous les persos. C'est uniquement pour avoir des doublons. Des personnages ici qui m'intéressent. Donc le Aizen. Personnage extrêmement puissant. Le Yamamoto. Avec l'arrivée d'Unohna, etc. On peut se poser la question. Mais bien, on va dire que c'est dans le top 3 des meilleurs personnages du jeu. Avec le Aizen des 6 ans qui était absolument indétrônable. Et donc du coup le E-Watch qui est un personnage extrêmement puissant côté Brawl Battle. Donc voilà. On va espérer bien, bien tomber, mais je suis certain de faire une énorme bêtise. Mais voilà, on va juste faire un palier 5. On va avoir l'unité 5 étoiles gratuite. Et on va très vite sortir de cette mascarade. Parce que c'est compliqué. Ok, Tenjiro. Je juste pensais que ça aurait pu être un Ichibei, mais non. Bon, bah écoutez, très bien. Il est peut-être pas tout seul. Aïe. Parce que là, je suis en train de penser là. Parce que pour l'instant, à l'instant T, j'ai dépensé aucune orbe. Ça va. On est en mode tout va bien, dans le meilleur des mondes. On est tous contents. Mais, donc ça, évidemment, très bien d'avoir ça sur le gratuit. Mais du coup, durant les 4 prochains paliers, eh ben, on va moins faire les malins. Parce que je sais ce qui va se passer. C'est tout comme si je jetais des orbes par la fenêtre. Donc c'est un peu catastrophique. Regardez la petite Golden. Il est là pour m'accueillir évidemment. Et donc il y en a deux, donc comme ça on va pouvoir dépasser les limites des personnages, on va dire. Hein. On va juste dire let's go. Les paliers 3. Au secours, sauvez-moi. À l'aide, évidemment. Puis c'est notre multi, donc c'est parfait. C'est juste let's go. Ok. De toute façon, je savais que c'était une bêtise. Ça ne pouvait pas bien se passer. Oh là là. Oh bon sang, bonsoir. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme. Qu'a-t-on fait comme bêtise? Ok. Bon. Bon. Et donc, du coup, on aura dépensé à peu près 1000 orbes pour obtenir quel personnage? Et maintenant. Ça part tellement vite, les orbes, c'est une catastrophe. Watch peut-être. Ok. Bon, on a quelque peu sauvé la situation. Ouf. Au bon sort. Ok. Très bien. Let's go. Parfait. Ouf. On a sauvé la multi, on a eu au moins un doublon d'un des personnages qui nous intéressait. Ouf. Ok, on peut respirer. Il est peut-être pas tout seul, on ne sait pas. Éventuellement. Peut-être. Eh bien, il est tout seul. Ok.
Et bien du coup, on va passer un petit bilan, évidemment, de... Donc évidemment, on sort tout de suite, et on sort très très vite de cette mascarade. Hein. On vérifie qu'on a fait, bien fait le paillet de 5, mais normalement c'est completed. Voilà, donc on sort tout de suite de cette mascarade. On a sauvé les meubles sur la dernière multi, si jamais on repart sur un cycle. Enfin, honnêtement, je vais non plus pouvoir. Trop de pression, etc. Ça va être la fin des temps. Donc on a eu deux persos sur 5 multi. Deux doublons. Et écoutez, pourquoi pas, donc le. Comment s'appelle lui? Donc le Ewatch et le Tenshiro. Ouais. Si, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc let's go. Et donc du coup, voilà. Donc ils vont renforcer les existants. Donc, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la multi, ben bravo à tous, merci d'être là. Et pour les autres, on va monter les petits personnages, évidemment. C'est le plaisir finalement de monter les petits personnages comme ça. Tout va bien. Donc du coup, le Ewatch montant SP2, je pense que c'est peut-être le moment de le monter et de basculer dans l'équipe et de le basculer dans l'équipe des Brave Battle peut-être. Donc voilà. Et donc du coup le Tenshiro, j'imagine qu'il va passer SP2 là-dessus. Comme ça, si on a besoin du personnage, on sera très content. Attends, je l'ai peut-être dépassé. Si ça se trouve, c'est pas du tout un personnage vert. Et j'ai genre, oui, bien sûr. Attendez. Non, c'est que je me perds dans les menus. C'est à cause de la musique épique. Et bah, pas du tout, c'est un personnage bleu, donc forcément, je n'allais pas le retrouver. Alors, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Eh bien, je sais pas. Hein. Ah, si, il est là. Ok, donc il va passer quoi? Il va passer SP2. Bah, écoutez, le slot de concentration. Ça va faire grandement plaisir. Il va être en mesure de lancer des coups critiques. De manière garantie. Ça fait plaisir. Et c'est un personnage quoi? C'est un personnage pression spirituelle peut-être? Ok. Cœur de Shinigami, ok. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Avec une résurrection sur l'ulti, ah, ça peut être intéressant. Là, pour des tours, là, comme ça, là. Ok. Ok. Ben, très bien. Et ben du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.